Donc les paroles et les téléphones mobiles ont veillé. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. Whenever anything is said or accepted in America, the whole world accepts it. Donc quand aux États-Unis quelque chose qui est déclaré, quelque chose qui est décidé, tout le monde décide, tout le monde accepte. In India, during many, many years, maybe 40, 50 years or when we were children, the students were punished in the classroom if they don't study. À son époque, depuis 40, 50 ans, quand elle était étudiant, donc si les élèves dans les écoles ne faisaient pas leurs devoirs, c'était puni. There is to be a saying, spare a rod and spoil the child. Il disait que il suffit de se libérer un coup de bâton et comme ça là, un élève il est ruiné pour toute la vie. One of the punishment that we have gone through in our childhood, when we do some mistake, we don't do our homework, we look here and there, the teacher is to punish us. Donc si on faisait pas nos devoirs, si on regardait à droite gauche, on était puni. So the punishment was, hold your right earlobe with the left hand. Donc la première punition c'était attraper votre oreille droite par la main gauche. And hold the right earlobe with the left earlobe with the right hand. Et attraper l'autre aussi. And then one has to do the sit-ups. Et ensuite il faut, je sais pas comment ça s'appelle. S'asseoir debout, plusieurs fois. Sit-ups. So, all of you stand up now. Alors donc, levez-vous tous. Left hand up. Left hand. Do you know which is your left hand? Yes. Hold the lobe of your right ear. Voilà, attrapez la partie basse de votre oreille droite. The same way with the opposite hand. Voilà. When you sit down, you have to breathe in. Quand vous allez vous asseoir, il faut inspirer. Breathe out. Expirez, revenez. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Stop. Sit down. This is... This was not a punishment to you, but this is called as the super brain yoga. Alors, c'était pas une punition pour vous, ça s'appelle super cerveau yoga. Here is a clip. You can only listen so that he can translate. Afterwards, you can see it there. We're accustomed to exercise to improve the body, but what about a workout to improve the brain? This is interesting. It's sort of like calisthenics for the cranium. CBS2's Jennifer Savi has been looking into who is doing this 3-minute-a-day brain training, and we're fascinated by it, Jen. Yeah, well, people say it makes them smarter, Paul and Laura. It's called super brain yoga, an exercise intended to pump up cell and neuron activity in the brain. Alzheimer's patients, seniors looking to stave off memory loss, and kids in classrooms are among those who say doing it makes them smarter. I think your right hand crossed over the left side. A medical doctor in Los Angeles prescribes an exercise. Inhale going down, exhale coming up. Not so his patients grow stronger, but so they become smarter. He probably had a C average. I taught him these exercises, and
by the next semester, he was a completely different kid. His grades had gone almost straight A's. Take your left hand. A teacher in Malibu saw similar improvements in her learning disabled kids. We have kids that have autism, kids that have Asperger's, all different needs. They were assigned the movements. Inhale, exhale. Not to shape their muscles, but to sharpen their minds. Yeah, we're getting smarter and smarter. Good, Brandon. One child used to just stand there and not move. And now I'll ask him to do something and he'll look at me and he'll just take a moment and then he'll do it. A teacher, a doctor. And then you take the right hand and place it over to the left earlobe. A Yale neurobiologist. Yes, I do it every day. And an occupational therapist. Inhale, blow up. I think this might be the key to help unlock these children. All are among those experimenting with an exercise to increase intelligence called Super Brain Yoga. I would say the Super Brain Yoga is a fast, simple, drug-free method of increasing mental energy. I learned Super Brain Yoga from Master Choa Kok Sui, and I noticed in my own life it made a difference. Like, I wasn't spending as much time looking for my keys or walking into a room and forgetting why I was there. Yale neurobiology researcher Jean Ang says Super Brain Yoga stimulates neural pathways in the brain by activating acupuncture points on the earlobe. In modern terms, the brain is actually lateralized. So holding the left ear actually activates the right brain, and holding the right ear actually activates the left brain. Ang says after doing the squatting sequence, EEG scans show the right and left hemispheres of the brain are synchronized. And you're going to bring it across your body. Raina Korturba doesn't need charts and graphs to be convinced. She saw the change firsthand in one 7-year-old student diagnosed as emotionally disturbed and dyslexic. Could barely hold a pencil, could barely write. He's now in a regular ed classroom without an aid. He's one of the top children in his class. This is a photo of a boy with autism and his mother who says he was transformed after starting Super Brain Yoga. And he would bite, headbutt me, kick me, punch me, run against the wall, headbutt the wall. Since he started the exercise, he's not had one outburst. For a culture accustomed to exercising to get fit, not get smart, yoga for brain power may seem harebrained. I tell the patients and I tell the parents, you know, this looks a little bit hokey, but the proof's in the pudding, and I've seen it work. Yes, it does seem strange, but the effects are so worth the effort. It's like 5 minutes a day. And once I got myself the discipline to do it, it made such a dramatic effect in my life that it's like it's a no-brainer. Researchers say Super Brain Yoga can help anyone of any age increase their intelligence. The exercise is rather easy to learn, so if you're interested, you can go to our website and we'll show you how you can learn more about Super Brain Yoga. I'm Jennifer Sabi, CBS 2 News. Paul, back to you. So what we were doing was not a punishment to you, but it was a Super Brain Yoga. Voilà, donc c'était pas une punition, on faisait Super Brain Yoga. Qu'il avait raconté que quand on était petit, à l'école, on était puni. C'est toujours avec ça, ce système. Et je pense que quand on s'assoit... Ouais, comme ça, pardon. I'm telling in India. OK. Alors donc, mais donc, le fait que c'est croisé, et quand on s'assoit, et donc il y a une pression qui arrive, et c'est pour ça que ça appuie très fort au niveau de cette partie de l'oreille. This lobe. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce qu'il vient d'expliquer, d'après leur recherche, c'est que la partie gauche stimule le cerveau droit et le droit cerveau gauche. Et donc, ça augmente l'efficacité. Ce n'est pas un exercice physique ni respiratoire, en fait, c'est pour aiguiser notre intellect. Et c'est inspire en descendant. C'est expire en descendant, expire en se levant. Two hemispheres get balance. Non, 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 mais c'est exactement. On inspire, on descend, et on expire, on se lève, selon eux. Et donc, pareil, en Australie, il y avait petit garçon qui tapait sa maman, qui faisait toutes les bêtises. Donc, ils ont fait cet exercice, donc il s'est calmé. Il y a une dame qui oubliait ses clés, ses portables et partout, donc elle a fait ça. Donc, pour tous les niveaux, ils ont trouvé les effets, scientifiquement prouvés. Donc, c'est Super Brain Yoga. Alors, donc, Swamiji, the question is, she's asking, what do you think about this?
I think because it is perfectly right. You will see in India, now this has started recently in the Western world, I as a boy or a girl, anyone, we used to have our ear lobes punched. And we used to have the earrings as a child. Every boy or a girl have earring. That one stimulates your points on the earlobes and they are cross-connected. The right earlobe is connected with the left hemisphere and the left earlobe is connected with the right hemisphere. So wherever there is disbalance between the two, one doesn't become integrated personality. One starts forgetting the things. You keep the things, oh, where did I keep? I don't know. I have gone there. What for I have come? I don't know. All those problems, they happen because there is no perfect balance between the two hemispheres. Therefore, I showed you this one for getting perfect balance in life. Hold on to your own earlobes. Sit down, inhale, get up, exhale. Do 5 minutes in the morning, 5 minutes in the evening, you will be floating in the air. Donc à son époque, hein, pendant la scolarité, et la fille ou garçon, les filles garçons, perçaient les oreilles comme ça. C'était une tradition qui vient de prouver il y a à peine 10 ans, scientifiquement, que comment cette technique était capable d'équilibrer les deux parties du cerveau, si quelque chose qui n'est pas en équilibre. Donc la vraie raison, c'était ça. Et donc c'est droite qui stimule gauche et gauche qui doit... Hein. Donc si on fait tous les jours, et ça équilibre notre cerveau, donc il le croit en vraiment. This balance in our understanding makes the life beautiful. Donc cet équilibre de notre compréhension et apprentissage, on peut dire, rend notre vie heureuse. We learn a very rare thing in our life, and that thing is called as seeing wit and humor in the whole world. Seeing wit? Wit and humor. Alors donc, c'est une qualité extraordinaire dans la vie, c'est de voir le monde tel qu'elle est avec cette bonne humeur. Normally what happens, people become very serious when difficulties come in life. Normalement, dès qu'il y a une difficulté, on devient très sérieux. But if you have got that kind of faculty, wherein you look at the world as a big joke. Et quand cette faculté existe dans le cerveau, de regarder le monde comme si c'était une grande blague. Then even in the miseries, you can laugh. Donc, même dans les conditions très misères, on peut rigoler. One example I'll tell you about this fact. Donc un exemple pour cette vérité. You know, in 2005, there was a Katrina havoc in New Orleans in USA. Donc il y a eu Katrina en États-Unis. And at the same time, there was a tsunami, a hurricane in Bombay. Donc il y avait tsunami à Bombay en même temps. It took more than few years for the USA, New Orleans, to get to life normally. Donc ça a pris plusieurs années pour avoir la vie normale à Orléans. C'est ça. There was looting, there were thefts, there was killing. Donc c'est vrai que la première chose que c'était, les gens commencent à voler les choses et se battaient entre eux, voler les choses. When it happened in Mumbai, that time all my books, cassettes, DVDs worth about 25 lakhs were destroyed. Donc quand ça arrivait à Mumbai, donc tous ces matériels comme bouquins, CD, DVD, etc., qui étaient 25 lakhs. 2.5 million. Donc ça veut dire tout simplement 2,5 millions de roupies. They were all destroyed. So, but Bombay came to normal life within 4 days. Par contre, le Bombay, autant que ville, est devenu normal en 4 jours. Electricity was restored. Donc, l'électricité, par exemple.
There was no problem for giving food and shelter to anybody in any place. Partout où les gens pourraient manger puis avoir un petit à l'abri. Bombay was underwater up to the first floor. Donc c'était jusqu'au premier étage, le Mumbai entièrement était sous l'eau. And the people living in the ground floor, they went up in the third, fourth floor and they stayed there for 4 days. Les gens qui habitaient au rez-de-chaussée montaient jusqu'au quatrième, cinquième étage pendant 4 jours. And there, by the, you know, using the drums, the local people made the boats and supplied milk and food and the bread free everywhere. Donc, il y a des bidons qui à peu près, de, je crois que même 500 litres ou quelque chose comme ça. Donc, ils ont fermé les deux côtés, ils l'ont transformé avec rassemblage comme des bateaux et avec grâce à ça comme mode de transport, ils ont distribué farine, le pain et toutes sortes de choses à tout le monde gratuitement. So when this happened, I was in USA. Quand c'est arrivé, il était aux États-Unis. So one of my friend in USA, he asked me this question. Okay, un ami m'a posé une question. He said, how come India is a third world country, but after the tsunami, within 4 days, Bombay came to normal. How it is possible? Comment c'est possible, Mumbai, autant que pays de tiers monde, a réussi à revenir dans l'état normal en 4 jours? I said, look here, you people in America think government should do things for us. Parce que le problème, première raison, c'est qu'ici aux États-Unis, vous pensez que c'est l'État qui va faire toutes sortes d'aides. In India, we know government doesn't exist. On sait très bien qu'on aide le gouvernement, on n'existe pas. So we have to work and fend ourselves. Donc, il faut travailler soi-même, il faut se protéger soi-même. See, the difficulties you look upon as a big joke of life. Alors, vous regardez, la difficulté, c'est que vous n'arrivez pas à voir la vie comme une grande blague. This faculty alone can keep the balance going. Rien que cette faculté, tout seul, est capable de laisser les choses continuer en équilibre, en harmonie. Yesterday, we have seen that Kumbh Mela movie. How many people, from how many places, but it goes so smooth. Donc vous avez bien vu hier pendant le film cette foule qui arrive qui et comment par contre globalement tout se passe très bien, c'est ça qui compte. In 2012 there was a Mahakumbh Mela in Allahabad. Donc en 2012 il y avait Mahakumbh, Maha veut dire grand, qui arrive tous les 12 ans ou même plus. Donc c'était à Allahabad. That comes once in 144 years. Oh, c'est une fois tous les 144 ans. And I was there for 3 weeks. Donc il était là pendant 3 semaines. It was spick and span. Clean, neat, no diseases, no theft, no hotels, everything free for 6 crores of people. Et donc, pendant tout ce temps, tout était propre, bien organisé, pendant autant de temps. Et 6 crores. 6 crores, c'est. That means I tell you. 60 millions. Ah. 60 millions de gens, oui. 60 millions de gens. Si le premier, dès le premier jour, le bain, c'est avec 11 millions de gens. You can go in any food place. And you are given food with respect, reverence, and with great love. Donc, comme tout était gratuit, vous pouvez aller n'importe quel restaurant, hein, et quel, partout, tout était gratuit, vous pouvez demander, et vous étiez servi. Nobody will ask you, who are you, why you have come. You come and take food, please. Personne ne vous demande qui vous êtes, d'où venez-vous, et simplement, venez, s'il vous plaît, manger. See, friends, the foundation is this understanding. Look at the world with a different vision. Donc la différence c'est que on regarde le monde avec une autre vision très différente. And we look at the world what we have accepted ourselves to be. Donc on a accepté le monde exactement ce que nous on a accepté comme nous sommes.
Suppose I think that I am a man, then for me, what is the world? The world is man and woman. Si moi je suis convaincu que je suis un homme, pour moi, le monde c'est l'homme et la femme. If I consider myself to be a good person, then the world is good and bad people. Donc c'est moi, si je considère moi une bonne personne, donc j'ai créé le bon et la mauvaise personne, le monde. If I think myself to be a rich man, then the world is poor and rich. Pareil, si je suis riche, ben le monde, les gens dans le monde sont riches et le pauvre en même temps. But when I recognize myself that I am basically divine, the whole world is nothing but the play of divine will. Et quand j'ai reconnu que moi je suis divin, dans ce cas-là, dans le monde entièrement, ce qui vit dans le monde, ils sont tous divins, comme en entier. Then we don't talk about differences, but we talk about oneness. Dans ce cas-là, nous ne parlons pas la différence entre nous, on parle ce qui est commun en nous. Differences are seen, but differentiation on account of the differences is not made. Donc la différence ça se voit, par contre cette différenciation au nom de différence n'existe pas. This vision is the ultimate vision of perfect balance in life. Ça, c'est la vision le plus parfait qui existe dans la vie, équilibrée. And what is called in one of the Sanskrit shloka is this vision. Donc l'un des sens de shloka qui vient de Veda a ce sens, la vision qu'il vient de dire. I'll tell the shloka, Lav Sharma will repeat it. Donc lui qui va réciter, moi je vais répéter, je suis censé répéter. Ayam nijo paro veti ganana lagu chetasam udar vridayanam tu vasudhaiva kutumbakam. I cannot. See, those who have a very small heart, like a heart of a rat. Alors, ceux qui ont le cœur très petit, comme le cœur de rat. They all the time talk about, this is mine, that is yours, this is mine, that is yours. Ils parlent tout le temps, ça c'est à mien, ça c'est à toi, ça c'est moi, ça c'est ou quelqu'un d'autre. And udara hridayanam tu, those who have a lion's heart. Ceux qui ont le cœur comme un lion, très ouvert. They say the whole world is my house. Ils disent que tout le monde, hein, le monde entier, c'est ma maison. Such a person is at home everywhere. Donc une personne comme ça, il est toujours à la maison, partout. See, friends. Then we were only unknown friends. Nous étions les amis, mais on se connaissait pas. There is no enmity for any reason. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une certaine sorte de, comment dire, animosité entre nous, animitié. It is something like this. Bah, c'est un petit peu comme ça. One mind is expressing through all the sense organs. Therefore, the mind does not have anything special for the eyes and not special for the ears. Donc, comme le mental s'exprime à partir de cinq organes de sens, c'est pour cette raison il n'a pas une préférence ni pour les yeux ni pour les autres. Voilà, si par exemple je vois à travers les yeux, j'ai une préférence, et pour écouter, non, c'est pas comme ça. Partout, c'est le même. Eyes are special for the colors and forms, ears are special for the sounds, yet they are not different because the mind is the common factor behind both of them. Malgré que les yeux sont faits pour voir les couleurs différentes, les oreilles pour entendre le son différent, malgré ça, le mental c'est la même qui analyse tout. Now, the second point. Will the eyes and the tongue fight with each other and be jealous with each other? La question arrive maintenant, est-ce que les yeux et la langue se battent entre eux? One day, it so happened, I was taking food and there was very spicy chutney. Une fois, j'étais en train de manger, il y avait un chutney qui était très épicé.
And when I was eating, my eyes started crying and talking to me. Et quand j'ai mangé, mes yeux commencent à crier et commencent à me parler. And I said, I am so unlucky, I can only see the chutney, I can't eat. Et les yeux m'ont dit, je peux que voir le chutney, mais je ne peux pas communiquer, je peux seulement manger. Non, je peux seulement boire, je ne peux pas manger. So I said, okay, take this Tabasco and eat. Donc ce que j'ai fait, ok, tu prends ce Tabasco et mange dans les yeux. Friends, the sense organs do not compete among each other. Donc en fait, les organes de sens ne font pas la compétition entre eux. Because all of them know they belong to the one common source, the mind. Donc ils savent tous qu'ils appartiennent à la seule source, c'est le mental. Is it not true we all come from the same source? N'est-ce pas vrai que nous sommes tous, on vient de la même source? Once this vision changes, you attain a perfect balance in your life. Une fois on sent cette vision, on arrive à atteindre cette vision de l'équilibre parfait. So seeing differences is not a problem. Donc voir la différence n'est pas un problème en fait. But differentiating on account of the differences creates the problem. Donc regardons cette différence. Et se différencier entre nous, c'est un problème. Therefore, the real balance in life can be attained only by proper thinking. Donc voilà le vrai équilibre, on arrive à atteindre parce que, enfin, grâce à cette pensée positive. When we face any situation, we have a choice to make best use of the situation and grow wise. Or we suffer, and nobody can help us. Alors, quand nous arrivons en face d'une situation, il y a premier choix, c'est de être en face et s'en sortir de façon équilibrée. Et autrement non, et souffrir. Any problem, any difficulty that comes in our life is a blessing in disguise. Donc tous les problèmes qui arrivent dans la vie, c'est bénédiction en malédiction déguisée. For example, if I get a toothache, is that toothache for troubling me? Supposons s'il y a mal aux dents, est-ce que cette mal est en train de me troubler? Non. It is a warning. Come on, take care of your gums. Something is wrong there. Non, en fait, c'est juste un message. Attention, tu devrais te soigner tes gencives. If you do not get the pain, you will not correct it. S'il n'y a pas de mal dans le dent, vous n'allez pas faire attention. I know one gynecology doctor in India. Elderly lady, very close to me. Donc il y avait un médecin gynécologue plus, enfin qui était une femme, qui était très proche de lui. She must be about 65 or 70. Autour de entre 65 et 70 ans. And one of the most successful, loving doctor. Et qui était très connu, très doué et bien réussi, bien connu, successful doctor. So, she has to stand, you know, the gynecology profession is the worst profession in the world. Donc, c'est une profession qui est considérée le pire de tout. Because these fellows, they come at the odd time. They don't come during office hours. Parce que les gens qui viennent pour le service, c'est toujours les horaires bizarres. C'est pas les horaires officiels de 9h jusqu'à 17h. So, she being a doctor, she has to stand and therefore she is to get pain in her legs. Donc, parce qu'il y avait les horaires bizarres, donc elle était toujours debout et donc commence à avoir mal aux genoux. Now, she being a doctor, she had free access to the painkillers. Alors, autant que médecin, elle avait droit d'avoir accès de tous ces antidouleurs. So, slowly, she started taking painkillers and her dose has increased a great way.
Donc, petit à petit, elle consommait ces antidouleurs, hein, comme Doliprane, par exemple, les choses, et le dose commence à gonfler un petit peu. And one day, she was unable to bear the pain, so she called her another friend doctor and asked her to check her lower part. Donc, un jour, c'était tellement douloureux qu'elle a demandé à une autre médecin de venir et examiner qu'est-ce qui se passe au niveau du. And when the doctor saw her uterus, her cervix, she just touched it, and like a big wooden, big earthen pot, it burst open, and a bucket of pus and blood came out. Donc, en fait, quand il a à peine touché, c'était très dur et s'éclatait tout de suite. Et donc, ce qui sortait, c'est un peu le pus. Because it was the third degree cancer. Parce que c'était le cancer troisième degré. So when some pain is to come, she is to take a painkiller. Chaque fois quand la douleur arrivait, elle prenait l'antidouleur. As a result, she did not take care of the disease on time. Donc, elle n'a pas fait attention, elle n'a pas soigné la maladie à bon moment. My friends, whenever you get hurt, understand it is a time to find out the cause. Chaque fois vous êtes, vous avez une difficulté, vous êtes blessé, c'est le moment de voir, c'est le moment de faire attention et de soigner et prendre attention. Don't suppress your pain, but inquire what is the cause of the pain. Faut pas chercher à contrôler, il faut penser qu'est-ce qui se passe, il faut penser dans cette direction. What we do is take the drinks or the drugs or the tablets and kill that pain. Nous faisons le contraire, on prend les comprimés pour supprimer cette douleur. That is why doctor call those medicines as painkillers. Et c'est pour ça que le médecin appelle ce médicament antidouleur. Because they kill you without pain. Parce qu'ils vont vous tuer sans avoir mal. Therefore, friends, whenever you are hurt, whenever you are disturbed, immediately find out who is disturbed. Donc en fait, en anglais, painkiller, c'est comme les tueurs de douleur, voilà. Donc chaque fois quand il y a un mal, tout ça, il faut vraiment faire attention et puis voir qu'est-ce qui se passe. And you will come to know at the root of every pain, there is somebody seated. Et donc, au niveau de racine de cette douleur, il y a quelqu'un qui est assis, en fait. Il y a une cause derrière. As a woman, I can never be miserable. As a wife, I can never be happy. Autant qu'une femme, je ne suis jamais misérable. Par contre, autant que femme, je ne pourrais pas, enfin, jamais épouse. Oui, épouse. Jamais contente. So normally what happens, we get carried away by the pain and we forget. We are not 24/7 wife. We are wife only in front of their stupid husband. Donc, comme on ne peut pas se transférer en plusieurs, donc en face de ce, je suis une seule femme ou épouse, je ne peux pas me transférer en plusieurs dans des situations différentes. But we carry the burden of that wife everywhere we go and we are frustrated. Donc, autant qu'épouse, j'amène toute cette pensée de douleur, souffrance partout. Donc, je souffre partout. Remember, we all have to play different roles in life. Donc, nous sommes censés à jouer les rôles différents dans la vie. If I'm in front of my child, I am a mother. Donc, en face de mon enfant, je suis maman. If I'm in front of my father, I am a Donc, daughter. en face de père, je suis If fille. I'm in front of my husband, I am a wife. Donc, en face de mon mari, je suis son épouse. If I'm driving a car, I am a driver. Donc, dans la voiture, je deviens chauffeur, conducteur. But while I'm driving the car, I forget I'm a driver and I was angry with my husband and therefore going and ditching. Et j'avais oublié que quand je conduis la voiture, je suis conductrice ou chauffeur, hein, mais j'ai oublié, mais j'ai toujours gardé cette idée. Je suis une femme, épouse de mon mari,
Donc j'étais en colère, j'ai fait un accident. Only for a small moment, I forgot that I am a driver, I became a wife, and remember that fellow, oh, and went like that. Voilà, il pratiquement répète la même chose. See, friends, the real balance in life is, we all have to play different roles. Voilà, l'équilibre dans la vie, c'est qu'il faut jouer le rôle différent dans la vie. Play every role perfectly. Jouer chaque rôle parfaitement bien. But don't carry the burden of the role throughout your life. Mais n'amène pas cette rôle partout. We all carry the burden of our life in a very peculiar way that we do not know we are carrying the burden. Donc en fait on porte tous ces douleurs de la vie différents en pensant qu'il n'y a rien qui se passe, tout va bien. And when you are under any burden, any load, you cannot be happy. Et chaque fois que vous êtes sous pression, vous ne pouvez pas être heureux. Suppose on your head there are huge 3 suitcases and you have to climb the steps on the railway station. Supposons que vous avez 3 valises sur la tête et qu'il faut monter l'escalier à la gare. So, oh God, I'm tired. Donc c'est certainement on dirait c'est fatigant. This is a physical burden. Ça c'est la fatigue physique. Now second is the physiological burden. Deuxième c'est la fatigue physiologique. Sometimes the class goes very long time. Donc le cours continue pour longtemps. And we have taken lot of tea or coffee or water. Donc on a pris beaucoup de tisane, le thé ou de l'eau. And then we have got high BP. Et après, la tension monte légèrement artérielle. BP means bladder pressure. Ah, ce n'est pas tension artérielle, c'est la pression dans le. And when you got a terrible bladder pressure, you are sitting here, but your mind is not here. Your mind is in the bathroom. When can I go? Alors quand c'est trop rempli, ben nous sommes conscients, on est inconscient de ici, on est absent de ici, on pense toujours aller au WC. So this is a physiological burden. Ça c'est le poids physiologique. And the third is the psychological burden. Troisième c'est psychologique. The psychological burden is we all the time talk about our past. En général, tout le temps nous parlons de notre passé. Old people like me, they never live in the present. Une personne, vieille personne comme moi. Ne vit jamais dans l'instant présent. So whenever I am in front of the youngsters, I will be talking about my childhood. When I was a child, who is interested, man? So quand je suis en face de jeunes, je parlerai toujours mon enfance avec eux. Therefore, whenever we talk about our past, we are carrying the burden of the psychological quality. Donc chaque fois qu'on parle de passé, ça veut dire qu'on porte encore ce poids de passé. And then we become outdated for the present day. Alors c'est pour ça qu'on est obsolète pour l'instant présent. And when you are obsolete for the present, you feel neglected and sorted out. Et une fois que vous avez compris que vous n'avez plus de valeur d'aujourd'hui, vous êtes presque obsolète et donc vous perdez l'estime de soi. And then you want some company because no human being likes you. Alors vous cherchez compagnie de quelqu'un parce que personne vous aime. Then in place of the human beings, either you have got a choice, either seek God or have a dog. Alors donc dans ce cas-là, vous avez un choix, soit un être humain, soit un chien. If you seek God, you are walking the spiritual path. Donc ce n'est pas une personne, c'est le Dieu. Soit Dieu, soit chien. So the spelling is the same. G-O-D-D-O-G. Okay, donc on a le choix, une personne ou chien, ou alors le troisième choix, c'est le Dieu. Donc c'est God, G-O-D. So God takes you to the higher existence. Donc le Dieu vous amène sur la supraconscience. And the dog takes you with a lead in the hand and a plastic thing in the hand and go on waiting when he's going to do.
Alors le chien vous amène dans un endroit, vous avez un sac, un petit plastique, et que vous attendez où il va faire chier. So, instead of waiting for the vision of God, you are waiting for the vision of that. Voilà, vous avez compris. Vous avez la vision de son caca, en fait, au lieu d'avoir la vision de Dieu. Now, what will be the dream of such a person? Quel sera son rêve, en fait? In the dream also, instead of God coming, the dog will come. Wow, wow. Donc, au lieu de Dieu, c'est le chien qui va venir, et puis... Non, mais surtout les chiens qui vont comme ça, et puis ils cherchent, ils ne font pas. Ils courent. Donc, quand est-ce qu'il va faire? Quand est-ce qu'il va faire? I'm saying he's doing, but he's not doing actually, so you... Therefore, in old age, we must keep ourselves busy in studying, in doing yoga, in spending time on your mind. Donc, quand nous avons un certain âge, il faut être occupé, il faut s'occuper de soi-même en faisant yoga, les études et d'autres activités. See, we work by our body in the office to get bread and butter for our life. Donc nous travaillons au bureau dans la vie quotidienne, justement, physiquement, pour gagner notre pain dans la vie. At the same time, you are doing yoga exercise. Yoga exercise is not done to earn bread. La même façon, donc la pratique de yoga, vous pratiquez pas pour gagner la vie, c'est pour vous-même. Because now you are working on the body. Because maintenant vous êtes en train de travailler sur votre corps. So there are two things. One is working by the body. Second is working on the body. Donc le premier c'est travailler à travers le corps et deuxième travailler sur le corps ou pour le corps. In the same manner, we are working by the mind. We never work on the mind. De la même manière, nous travaillons à travers le mental et c'est rarement qu'on travaille pour mental. If you ask yourself a question, what care you have taken about the quality of your mind? Donc si vous posez cette question, quel soin vous avez pris pour qualité de votre mental? Because there are thoughts in the mind. Do you think we are thinkers? Parce qu'il y a les pensées dans le mental. Vous pensez que nous sommes les saveurs ou penseurs? About food, how much care we take? Pour le repas, à quel niveau on fait attention? Ça veut dire beaucoup. We should take organic food. We should take good food. On devrait prendre bio, on devrait faire très bon repas. And the food that we give to our mind is all rubbish. Et la nourriture, ce qu'on donne à notre mental, c'est, voilà, c'est n'importe quoi. Seeing all dirty kind of things, late night horror movies. Très mauvaise chose comme un film d'horreur qui dure toute la nuit, tard la nuit. And then up to 2 o'clock, 3 o'clock, you see those horrible movies and go to sleep. Et après avoir jusqu'à 2 heures du matin tous ces films d'horreur, et on se couche. And the whole night, the same dream is repeated inside, you know, continuously. Pendant toute la nuit, pendant le sommeil, ça répète ce rêve de l'horreur. And next day, we had no good sleep, therefore we are drowsy. I don't feel like doing anything. Alors le lendemain, on est un petit peu endormi, on n'est pas bien, donc je travaille pour travailler un peu, comme ça, naze un peu. My dear friends, take care of your mind. Mes amis, prenez soin de votre mental. If you mind your mind, you will be happiest in life. Ça, c'est une qualité de répéter deux mots qui ont un sens différent. OK? Ça veut dire, si vous vraiment, par le sens je parle, non, si vous vraiment faire attention de votre mental, donc, il faut faire deux choses. Now, how to mind the mind? That we'll take in tomorrow's class. You must have seen the serials. When they go, they bring you up to a point and they stop in the next episode.
Je crois que, si j'ai bien compris, comment on est gêné par notre mental, how to mind your mind. Comment s'occuper de son mental, comment soin, comment prendre soin. Ouais, c'est ça, c'est exactement. So now, there were some questions to be answered. This is written in French, so he will read and translate it in English, and I'll reply in French, you will understand in English. What is the use of using, quelle est la raison d'utiliser les chaussures en bois? Donc, what is the use of using shoes, wooden shoes? The wooden shoes are used, they are the designer's piece. Les chaussures en bois sont, sont utilisées, portées, parce que c'est pour le styliste, c'est le designer. Ouais. Okay. In India, there is a tradition that when you go to the temple, go with the old shoes. C'est une tradition en Inde, quand on va au temple, on va toujours avec les vieilles chaussures. And you leave your old shoes there, select the new one and go back. Donc, comme ça, vous pouvez choisir les bonnes chaussures assez récentes et revenir. So, every time, if you go with good shoes, I go to temple every now and then. I will have to carry one shoe shop with me. Alors, si je vais au temple, comme je vais assez souvent, donc ça veut dire que je vais amener carrément un magasin avec moi, parce que chaque fois, je vais perdre. So, with these shoes, when I go, nobody can put them on and run away. Alors, donc... Quand je les laisse au début du temple, devant l'escalier, personne ne pourrait l'utiliser et courir avec. Ce n'est pas possible. And second thing, these are considered as holy shoes. Et c'est deuxième raison, c'est qu'elles sont considérées sacrées. So the people, they do namaskar and keep 2 rupees on it. Et ils vont prosterner devant et ils vont mettre 2 euros en plus. Merci beaucoup. And thus I get 2 benefits. One, it is not stolen. Second, I get money to go back home. Donc voilà, il y a 2 avantages, c'est qu'ils ne sont pas volés et en même temps je gagne le sou. Ça porte l'argent. So if you are going to stay in India, you try to practice that. But not on my shoes. On est essayé, mais pas le sien. The shoe business over. C'est le moment de toutes les questions. N'hésitez pas. Now you may be asking question about the beard. Because est-ce que tu es en train de poser la question, question à propos de son barbe? And because first question was about the shoe. Parce que le premier c'était pour le chaussure. Maintenant peut-être sur le. So the second will be about the beard. No. Yes, go ahead. Alors, je vous en remercie parce que j'ai une expérience ce matin. Quand vous avez fait le home avec douceur, donc je suis rentré dans un état sans mental. Alors, this morning when you tell them to recite home, he entered in a state of mind with a very softness easily and without mind, and ensuite. Et ensuite, je percevais tout ce que vous disiez, j'avais les yeux fermés, beaucoup plus clairement que d'habitude. Donc, what he was perceiving, he was perceiving very clearly. What we were saying, he was perceiving that very clearly. Et je voulais savoir, est-ce que c'est possible, oui, s'il y a eu des yogis qui ont fait définitivement un arrêt mental définitif. Is it possible with a yogi that we can we practice something where the mind stops completely? If the mind definitely, he says definitely. If the mind is taken as a problem, then you will like to stop it. Donc, si le mental, vous le voyez
comme un problème, donc vous avez envie de l'arrêter. Will you like to stop your car or you will like to drive your car? Voulez-vous conduire votre voiture ou vous voulez arrêter votre voiture? The car is meant for driving, not keeping in the garage. Donc une voiture c'est fait pour conduire, c'est pas pour se garer dans un garage et puis définitivement laisser. What is required is we must have perfect control over the car. Non, ce qui est important c'est que vous aviez contrôle parfait conduire pour votre voiture. So all the spiritual practice is controlling the mind. Donc toute la pratique spirituelle ce n'est rien d'autre que contrôler le mental. If you simply want to stop the mind, then take drinks and drugs and stop. Donc si on a envie d'arrêter le mental, on peut prendre les drogues, on peut boire et ça s'arrête. And then we will become like stones. Et après nous sommes comme des pierres, stone. We want to live fully and yet do not suffer because of the mind. On a envie de vivre avec pleine force, pleine joie, plein enthousiasme et pas comme quelqu'un qui souffre. Mind is the best instrument given to us by God. Use it, don't stop it. Mental, c'est un instrument le plus efficace qui est donné par le Dieu, donc utilisez-le au lieu de arrêter. What is happening now is we are working by the mind. We are not working on the mind. Donc ce qui se passe en général, c'est que nous travaillons par le mental et on ne travaille pas pour le mental. And sur le mental. And therefore, we have to work through the mind and do not live as the mind. Donc, on travaille à travers le mental et ne laissez pas comme le mental cette activité. Il y a d'autres utilisations aussi du mental. We move by the car. We don't move. We keep on sitting. Donc, nous bougeons à travers la voiture, mais c'est pas nous qui bougeons. C'est la voiture qui bouge. Like many people ask me this question, Swamiji, you travel so much, don't you get jet lag? Donc, Swamiji, vous voyagez beaucoup, vous n'avez pas jet lag? Décalage horaire. I said, why should I get? It is a jet which is flying. I am sitting. Donc, la réponse est que, vous savez, l'avion, c'est jet. Hein? Ok, c'est jet qui s'envole et c'est moi, je suis assis. Donc, j'ai pas de problème. Why should I get par rapport au jet lag? Par rapport au jet lag, il dit. Par votre décalage horaire. In the same manner, we function through the mind. And when the job is over, park the mind in the parking lot and relax. Donc nous travaillons à travers le mental. Une fois c'est fini, garez votre mental dans votre garage et relâchez-le. Fini. What you are experiencing is very good, but that is not the ultimate. Donc si vous avez, tout ce que vous sentez, c'est très bien, mais ce n'est pas le but ultime. Pour le mental. Otherwise, you will be obsessed with the quiet mind. Sinon, vous serez obsédé par le mental qui est calme. You will be all the time struggling. If there is little disturbance, you will get disturbed. Donc, moindre perturbation, vous-même serez perturbé. Mind is bound to be disturbed for something or the other. De toute façon, le mental est censé pour être dérangé par une chose ou l'autre. But we have freedom. Not to get disturbed by the disturbances of the mind. Mais si nous avons le choix de ne pas être dérangés par le mental qui est dérangé. This is what I told you. First listen to sound, then listen to silence, and then go beyond sound and silence. C'est pour ça ce matin l'exercice qu'il a dit. D'abord écoutez le son, ensuite écoutez le silence, ensuite au-delà du silence et le son, il faut y aller au-delà de ça. Sound and silence both are heard by the mind, but when you are not influenced by both sound or the silence, you go beyond the mind. Donc en fait, le son et le silence est entendu par le mental, mais quand vous êtes au-dessous de tous les deux, vous êtes loin de au-dessous du mental. So you are on the right track, keep it up, but don't get obsessed with anything. Donc vous êtes sur le bon chemin, continuez, mais ne soyez pas obsédé par cette mentale. Amen. English or
French. You first read in French, so that they also. Si vous, si nous venons de la même source, pourquoi certains sont-ils bons et les autres deviennent les assassins? Donc, अगर हम एक ही सोर्स से आ रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है कि हमें से कुछ लोग तो बड़े अच्छे लोग होते हैं, लेकिन और दूसरे लोग किलर्स बन जाते हैं। The question is, we come from the same source, and yet why we are so different? So, a raindrop falls from the sky, from the clouds, it is pure. If that raindrop falls on a hot plate, it is immediately evaporated and disappears. Malgré que nous descendons de même source, donc comme pure, l'eau pure, mais cette goutte d'eau qui tombe, par exemple, sur une assiette qui est très chaude, tout de suite évaporée. If the drop falls on a petal of a flower, it looks beautiful. Et quand cette goutte tombe sur une feuille de fleur, donc ça paraît très très beau. If the water drop from the rains falls in a gutter, it becomes polluted. Alors même goutte d'eau qui tombe dans le canalisation tout à l'égout, donc ça devient saleté. If the drop of water falls in a austere shell, it becomes a pearl. Et le même goutte s'il tombe dans une coquillage d'huître, se transforme en perle pure. Therefore, we are all from the same source. But what is the company with which we are? Malgré que c'est la même source, mais on est entouré par quel ami, quelle compagnie? If we are falling in a gutter, dirty smell will come. If we are in a bad company, our divinity will be clouded and a worse thing will start coming. Donc voilà, donc si on tombe dans le saleté, ce sera une mauvaise odeur qui va venir. En même temps, si on est entouré par les gens impurs, eh ben, ça donnera la même ambiance. Therefore, instead of asking this question, how to change ourselves, there is only one way, keep in good company. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est rester entouré entouré par les amis de bonne qualité, par les choses de bonnes choses. If you have decided to change, nobody in the world can stop you. Si une fois vous avez décidé de changer ou transformer, personne ne pourrait vous arrêter. Therefore, although we are from the same source, because of the company, we become different. Donc, si nous sommes dans la même source, mais c'est notre entourage fait la différence, en fait. Over. Next. This is in English. How could we help the best a closer person to the end of his life? How could we conserve the inner peace and don't be disturbed? Look, actually, there are two questions. How could we help the best, a closer person, to end of his life? You want to kill him or what? En fait, vous avez envie. La question c'est comment on peut être comme une très bonne personne jusqu'à sa mort. Comment on peut être bien avec cette personne? Voilà, comment. OK. Donc il a dit, est-ce que vous avez envie de sauver cette personne ou tuer? Don't help anybody kill themselves. If you can, help them to live. Donc, ce n'est pas la peine de les aider à mourir. Il faut plutôt aider pour à vivre, bien-être plutôt. How to help a person who is on the deathbed, you can say. Okay, very good. How to help
And now it becomes sleep. But this question meant something different. Never mind. See, I was in Japan and I was asked to address the doctors, nurses who are managing a Red Cross hospital with there all the terminal patients were there. Donc il était au Japon, ils ont demandé de donner cette conférence à eux, qui étaient les médecins, les infirmières de Croix-Rouge, et qui ont travaillé pour les gens qui étaient à la fin de leur vie, accompagnés. And their question was, the people who are attending to that dying patient, how to talk to them, how to tell them about the truth? Donc la question c'était, comment il faut dire la vérité aux gens qui sont à la fin de leur vie, comment il faut le faire? So I told him, there is no thumb rule, talk like this. En fait, il n'y a pas de règle très stricte ou sévère que voilà, il faut parler que comme ça. Depending upon individual case, you have to decide to whom to talk, what way, so that person doesn't get a shock and before the patient he dies. Alors donc, il n'y a pas de le règle ferme. Ça dépend cas par cas, parce que si vous dites la vérité et sans utiliser votre propre connaissance, avant que cette personne meure, peut-être c'est vous qui allez mourir, autant qu'infirmier. So, the best way is, like in India, what we tell, that I'm telling you. Alors ce qu'on fait en Inde, qu'est-ce qu'on dit en Inde, je vous dis. We don't give them false hope that you will live long. Nous ne donnons jamais le faux espoir que voilà, vous allez vivre longtemps. We tell them, now prepare for your journey beyond this life. Voilà, préparez-vous votre voyage au-delà de cette vie pour le prochain. And you are not going to die, you are going to continue your journey from one life to another life. Donc, de toute façon, vous ne mourrez jamais, vous continuez le voyage d'une vie à l'autre et vous continuerez. So when you go for a vacation, are you not excited and happy to go? Alors, quand vous partez en vacances, n'est-ce pas, vous êtes excité pour aller en vacances? And therefore we tell them, keep on chanting the Lord's name and celebrate every moment of your life. Voilà, il faut réciter les mantras et essayer de, comme on dit, vivre chaque instant de façon joyeuse. So, in the last moments, they are constantly listening to the Lord's name. Donc, c'est une tradition que, dernier moment, quand ils savent que ça ne peut pas tenir longtemps, ils demandent certaines personnes pour continuer à réciter, ils continuent à écouter les mantras. There was one lady who died, and she was pretty close to me. Donc, une personne est morte, mais qui était très proche de lui. She was a banker. And she was diagnosed as a cancer, third degree cancer. Donc elle était banquière. Et c'était le cancer était diagnostiqué troisième degré. So she told me, Swamiji, now I am going to die. Please tell me what should I do. Alors donc Swamiji, je vais mourir. Dites-moi quelque chose. Qu'est-ce que je devrais faire? Because the doctor told it is a final stage. Parce que le médecin dit c'est l'étape finale. So I told her this and she did it. Alors j'ai dit quelque chose et elle a suivi, elle a fait. So I told her, when you breathe in your mind say Hari. And when you breathe out, you say Om. When you say Hari, say it in the mind. When you breathe out Om, you say it loudly Om. Alors, je donne une technique. Quand tu inspires, tu mentalement tu dis Hari, et quand tu expires, avec la voix forte, tu dis Om. Donc, ça devient Hari Om. And I told her to keep on doing it. J'ai dit, continue à faire ça. And she continued it. Elle a continué. All her pains, everything disappeared. Donc, le mal de physique, tout sort, ils sont partis. And she left the body like a small child sleeping in the lap of her mother. Donc elle est partie, elle a quitté son corps comme un enfant qui est en train de dormir dans le bras de sa maman. Because what is death? Parce que qu'est-ce que c'est la mort? Death is nothing but separation of the mind and the body.
Donc voilà, c'est seulement la séparation entre le corps et le mental. The mind doesn't die, it is the body that dies. Donc le mental n'est pas mort, c'est le corps qui meurt. When you keep on chanting this Lord's name, your mind is already separated to a great extent. Même pendant que vous êtes en train de réciter ce mantra, votre mental est déjà séparé du corps physique. And because the mind is already separated from the body, to that extent, the pain of the body will not be felt by the mind. Alors vous avez tellement récité à point que finalement le mental se dissocie avec le corps physique et les douleurs ne sont plus là. If you want this, I have been doing for years. When I am sitting, if there is nothing going on, in no time, my breathing gets synchronized with Hari Om. When I am sitting quiet, Hari Om, Hari Om, Hari Om. Thus, the mind is no more involved in this world. Ce qu'il vient d'expliquer, c'est la pratique tout à fait juste, parce que j'ai observé plusieurs personnes. S'il ne fait rien, très vite, il prend conscience de son souffle et on inspire mentalement, c'est Hari. En expirant, c'est Om. Ça se commence, ça s'appelle la récitation de mantra mentalement. Even when you are chanting for yourself, do both the time mentally, don't chant loudly. Même si vous faites vous-même consciemment, ne cherchez pas à réciter très fort, récitez dans la douceur, mentalement d'ailleurs. Now, next 20 seconds or 1 minute, try this. When you breathe in, say Hari. When you breathe out, say Om. And watch the quality of your mind after that. Om, jo hai, wo awaaz se bolna hai? Nahin, man hi man. Mentalement, vous allez pendant quelques instants réciter Hari quand l'air entre et quand l'air sort, c'est Om, sans prononcer le son de Om. And let the breathing remain normal. Don't increase the breathing. Ok, c'est pas la peine de inspirer profondément ou respirer profondément. Simplement observer. L'air entre, Hari. L'air sort, Om. She wants to understand intellectually what is. Afterwards, I'll tell. Après. Take a deep breath. Respirez profondément. Now listen.
écoutez bien. Breathing is an activity. La respiration, c'est une activité. And chanting Hari Om is knowledge. Et récitation de Hari Om, c'est une connaissance. So what is happening is the energy of action and energy of knowledge, they are becoming perfectly synchronized. Ce qui se passe, l'énergie de la connaissance et l'énergie de souple ensemble sont synchronisées. As a result, the mind dissolves in consciousness. Donc le mental est en fait assimilé dans la conscience. And more time you remain in consciousness, you become fresh, alert, relaxed, cheerful. Plus vous restez pendant le temps, certain temps, dans la conscience, pendant la même période, vous devenez comme le mind. Plus on reste établi dans la conscience, plus on est bien, mentalement. This is how you should end your life. C'est comme ça que vous devrez partir tranquillement. So I told you now how to die, okay? C'est facile. There was a friend of mine, he came to India for the first time. He was from Australia. Donc un ami qui venait d'Australie, première fois en Inde. And I asked him, hey, when did you come? Et alors, quand est-ce que tu es venu? When did you come? Translated? So, he said, to die. Il a dit, to die, ça veut dire aujourd'hui. Attendez, écoutez bien, to die. I said, I am not asking the purpose. I said, when have you come? Donc, je ne demande pas pour que tu es venu pour mourir, mais voilà. Non. Today est prononcé to die. Australians pronounce today as to die. I said, I didn't ask you why did you come. Je ne t'ai pas demandé pourquoi tu es venu. Ça veut dire quand il a compris pour mourir. Mais je suis venu autrement. Pourquoi tu es venu? Quand est-ce que tu es venu, en fait? So I told you how to die, okay? Now die peacefully. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment il faut mourir. Donc, essayez de quitter le corps en toute paix. How could we conserve the inner peace and don't be disturbed? You think of me, you will be happy. Don't think of God. Have you seen God? So how can you think about that what you have not seen? Est-ce que vous avez déjà vu le Dieu? Non. Donc comment vous pouvez voir ce que vous n'avez jamais vu avant? But you have seen me. Think of me. You will be happy. Alors, pensez à moi parce que vous m'avez vu. Donc voilà, c'est tout. Vous serez heureux. If you really do that, then you will write me an email. Swamiji, you are awesome. Si vous faites comme ça, vous allez écrire le mail. Swamiji, vous êtes vraiment affreux. Not handsome, not handsome. Awesome, means wonderful. Awesome, no? Awesome. C'est une expression américaine, en fait. Ça veut dire c'est génial. Ok, c'est une expression américaine. Parce que une situation, awful situation. Awesome. Oui, awesome. Ouais. Donc vous êtes génial, voilà. So, when you are disturbed, try the following things. Take a glass of cold water and sip slowly. Alors, il y a une technique très, très bien. Quand vous êtes dérangé, prenez un verre d'eau fraîche et essayez de boire lentement. Second thing is, go for a walk. Deuxième, partez pour se promener. Third thing, do some gardening. Troisième, some jardinage. C'est some jardinage. Fourth thing, wash your clothes which you have not washed for 1 month. Lavez le linge que vous n'avez pas touché depuis un mois ou accumulé depuis un mois. And after they are dry, do nice ironing.
Ensuite, le repas, c'est bien. Your mind will say, I am not disturbed. Votre mental dira, maintenant, je ne suis plus dérangé. Disturbed mind is empty mind. Therefore, the mind is disturbed. Le mental vide, en fait, c'est lui qui est dérangé. Mais le mental occupé n'est jamais dérangé. A busy mind is a healthy mind. Mental occupé est toujours bonne santé. Have you seen the children getting into depression? No, because they are busy. Comme les enfants, est-ce que vous avez déjà vu en dépression? Non, parce qu'ils sont tout le temps occupés. And we, the oldies, we have to live 24 hours a day. Oh God, what do I do now? Et nous, il faut passer 24 heures. Oh mon Dieu, comment je vais passer? Therefore, keep yourself occupied 24/7. Donc, restez occupé pendant 27 heures. So if the death comes, you tell, I'm sorry, I'm busy. Non. Il a dit exprès 27 heures. Ça veut dire, c'est une blague. Pas 24 sur 24, il a dit exprès 27 heures. Plus que normal, voilà. Sorry. So, disturbed person is the one who has nothing to do, who has no goal, who is not inspired, he is disturbed. Ce qui est dérangé, c'est qu'il n'a rien à faire, qu'il n'est pas inspiré, qu'il ne fait rien du tout. Donc voilà. We must have something to look forward to in life. On devrait toujours voir quelque chose dans la vie, tout le temps pour faire quelque chose. Otherwise, we get up in the morning, oh God, now what do I do? Oh Dieu, j'ai rien à faire. Vous vous levez le matin, moi je sais pas quoi faire. Anyway, I'll sleep again. Ça fait rien, mais je vais redormir. And then, that time, when you come out of the sleep and out of the bed, that gap is the time you destroy all your energy. Le moment où vous êtes en train de vous lever et que vous êtes complètement conscient, pendant ce temps-là, vous détruisez toute votre énergie. It is like you have charged your battery of your mobile phone, so it is fully charged. In the sleep, when we are sleeping, we are fully charged. But then this unwanted thinking for 2 hours, 3 hours is neither sleep nor you are awake. So the mind is working. So the whole battery gets discharged. And when you get up, there is what to do, no, I don't know. There is no charm in life. C'est exactement comme le chargeur de batterie, on a branché, on a oublié et ça recharge, il y a plein de formes. Donc on s'est dormi pendant le sommeil, tout est rechargé, tout est bon. Mais quand on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à se lever entre les deux, vous déchargez toute votre batterie, après on est fatigué. So the best way is you start running from Nantes up to Geneva, you'll be fresh. Alors donc une recette, il faut courir de Nantes jusqu'au Genève, donc vous ne serez jamais fatigué. All your disturbances, everything will go away. I'm tired now. Any question more? There is one question. English, Hindi? English mein hai. Okay. Oh, sorry, French mein hai. Okay. How to help young people, those who reject everything? Comment aider certains adolescents qui rejettent tout? You cannot help anybody in this world, you have to help yourself. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un dans la vie. En fait, tout ce que vous pouvez aider, c'est vous-même, à vous-même. You can take the horse to the waters, you cannot make the horse drink the water. Vous pouvez amener un cheval jusqu'aux sources d'eau, mais vous ne pouvez pas faire boire l'eau à cheval. Instead of drinking water, he will make water. Dans ce cas-là, au lieu de boire de l'eau, il va faire, il a dit, he will be water. Therefore, don't compel anybody. Let them live their life. You live your life. Donc, ne forcez pas quelqu'un de vivre dans telle ou telle façon. Laissez-le libre. Et par contre, vous vivez à votre façon. You think of your adolescent, how you were. Vous vous souvenez de votre période quand vous étiez adolescent? Were you going to yoga or satsang anytime? Est-ce que c'était yoga ou le bonne conférence à ce moment-là? Non. And now you'd want the children to do what you are doing.
Maintenant que vous pratiquez yoga, vous aimeriez bien aussi vos enfants, adolescents, qui fassent le yoga aussi. So as you have suffered, let them suffer and then come back to Nikola Ananda Maharaj. Comme vous avez souffert pendant votre adolescence, laissez les adolescents d'aujourd'hui souffrir et ensuite venez chez grand maître Nikola Ananda pour être soigné. So from today onwards, you are going to call her. I baptize her as Swami Nikola Ananda Saraswati. Donc à partir d'aujourd'hui, vous allez adresser à Swami Nikolananda Saraswati. Le titre est donné par Swamiji aujourd'hui. And if she continues for another 5 years, it will be given, I think, Shri Shri 108 Swami Nikolananda Saraswati. Om Purnamadaha Purnamidam Purnaat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shantihi Harihi Om Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om.